Salut, je vais interpréter une chanson de Maxime Le Forestier, La maîtresse d'école. À l'école, on a bon appris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées, comme il fut tout le temps bien éphémère, hélas. Tout cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nées, des cancres, des crétins crasseux. En travaillant exclusivement que pour nous, les mères sans bonnet d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bourse, enfin bref, un patin. Enfin bref, F, un patin. Au pupitre alors quelque chose de sans art. L'école buissonnière était plus amée à ça. Et les pauvres marsons de bonnet d'âne craque connurent tout à fait la faillite. Le crack, le faillite, le crack. Lorsque le proviseur à la fin de l'année nous fut des résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex-aequo, d'excellence ex-aequo. À la création, la bonne fée se mit au devoir tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut fermé admis par l'imbécile alors traiteur d'académie. De l'école, en dépit de son beau palmarès, elle chassa pour toujours notre sœur maîtresse. Le contre fit alors sa réapparition. Le fort en thème est redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco! Nous étions tous derniers de la classe ex-aequo, de la classe ex-aequo. À l'école, nous avons pris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut tout le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Merci. Vous allez être surpris, mais savez-vous que la meilleure manière de préserver votre...